Nous sommes prêts. Vous les attendez. Ils reviennent. Messi, Neymar, Ronaldo, le Barça, le Real. La Liga reprend dès samedi 17 août sur beIN Sports. Lennard, oh, pour Ginobili, à 3 points. Ginobili, il a Ginobili qui met ce panier à 3 points. Osvaldo peut avoir le sourire. L'AS Roma mène 1-0 face à Chelsea. Ce n'est qu'un match de préparation au RFK Stadium de Washington. En tout cas, cette équipe de l'AS Roma a montré de très belles choses en première période et nul doute qu'il va y avoir des changements du côté de Chelsea. Et bien voilà, Dembaba, Cahill sont en train d'arriver avec John Terry. On va en avoir du changement. C'était une évidence hein, après la première période moyenne tout de même de cette équipe londonienne avec des difficultés devant à trouver Fernando Torres autour de Bruyne, Schürrle et de Victor Moses. Et donc José Mourinho a décidé de peut-être se passer de Fernando Torres. On va suivre hein, ce qu'il a pu inscrire l'entraîneur portugais sur son petit carnet. En tout cas, il a déjà dû noter les quelques changements qu'il a apportés à son équipe, très certainement donc Dembaba pour Torres et puis Cahill pour David Luiz, alors que là vous voyez Rudy Garcia qui lui a certainement aussi trouvé une équipe type pour le début de la saison, notamment avec des Bradley, des Florenzi qui ont joué toute la tournée ici aux États-Unis, de même que Castan, de même que Maicon ou encore Totti, alors que voilà Mourinho qui discute avec Maicon, son ancien joueur de l'Inter. Ancien Monégas Maicon, très belle séquence. Lui Mourinho qui avait peut-être un petit peu plus invectivé les joueurs du Real avant le match Real-Chelsea. Bien, le Real et surtout Cristiano Ronaldo lui avait un petit peu fait payer il y a quelques jours de cela avec la victoire 3-1 du Real Madrid et un doublé de Cristiano Ronaldo. On est aux ordres de l'arbitre pour cette seconde période. Attends, les quelques changements qu'il aurait pu avoir dans cette équipe de Chelsea. C'est parti pour cette seconde période. Donc Chelsea, AS Roma. Avec des Romains qui mènent 1-0. Peut-être moins de changements hein, du côté de Rudy Garcia. Plus de certitude sur la première période. Et surtout, un premier match de championnat qui arrive un petit peu plus tard. Donc on va avoir le temps de se préparer. Dembaba avec le 19 est rentré, ça c'est une évidence. Comme vous l'avez dit, et certainement également Cahill derrière. Il y a également la rentrée d'Oscar au milieu. Vous voyez, on est en train de montrer tous les changements. On a peut-être également changé de tactique avec Lampard qui est entré. Vous voyez peut-être Oscar et Dembaba devant et une ligne de 4 avec la rentrée également de Ramirez. C'est-à-dire que c'est une large revue d'effectifs. On va voir Lampard au milieu de terrain avec John Obi-Mikel. Ramirez à droite, à gauche on va voir Schürrle et on va voir Oscar derrière Dembaba. Voilà pour cette équipe de Chelsea et peut-être Ivanovic. Non, c'est toujours Azpilicueta qui est là. Et toujours le duel avec Totti, le centre maintenant, Ryan Bertrand, avec le tout jeune gardien, Blackman, jeune gardien des U21 de Chelsea. Alors lui c'est un grand gardien, peut-être en devenir également, mais qui fait 1m96. Ils aiment bien les grands gardiens hein, dans le championnat anglais, et nul doute que Blackman a été également choisi pour cela, dans la lignée des grands gardiens de Chelsea. Maicon, la pression de Schürrle sur Maicon. Oui, Hazard qui était là, hein, que l'on a vu tout à l'heure autour de la pelouse ici à Washington. Il ne faisait pas partie hein, des joueurs qui étaient possibles rentrants. Dembaba qui va remettre de la tête l'ancien joueur de Newcastle. Et la frappe, elle est belle, elle est tendue. Une première frappe
qui permet de chauffer les gants. La relance avec Benatia. Cette frappe de Lampard. On est toujours avec De Sanctis. Benatia. Il y a Ryan Bertrand qui passe devant la Mela. Donc on l'a dit, hein, Gary Cahill qui est rentré également. Assurant du côté de Mourinho que l'on donne trop de crédit à David Luiz en défense. Janobi Mikel. Avec Ramirez, Dembaba, la vitesse de Ramirez. Oh, attention à la cheville d'Oscar, on avait peur que ça tourne hein, sur ce contact. Et avec la Mela. Maicon. Interception de Ryan Bertrand. Devant Osvaldo. Ramirez buteur contre Barcelone. Dans la finale 2012. On peut dire la finale d'il y a deux ans maintenant, même si c'est l'année dernière. Bientôt 5 minutes dans cette seconde période. On reprend sur un rythme tranquille. L'un des Brésiliens de cette équipe. On a vu Oscar. Deuxième saison pour lui, hein. Et De Sanctis qui va pouvoir dégager. Allez, le contrôle devant Schürrle. Oscar qui va récupérer cette balle. Il a Ramirez. Il tente dans l'axe avec Schürrle. Récupération jumelée de Castan et de Bradley. On n'a pas l'impression que cette équipe de Chelsea a les cartes en main en attaque. Regardez la relance de Mehdi Benatia qui s'est fait une petite frayeur au genou. En première période, Florenzi avec Osvaldo. Osvaldo qui s'est fait bouger par Ryan Bertrand et qui vient mettre un petit tacle à Lampard. Lamela a glissé dans l'axe. Et Totti là-bas sur la gauche. Cahill. Lampard. On rappelle, hein, Hull City à Stamford Bridge le 18 août et... Trois jours après, il y aura la réception d'Aston Villa. Voilà le début de saison de Chelsea. La possibilité hein, à domicile de prendre les points. Lampard à la récupération avec Schürrle et Janobi Mikel. Le Nigérian qui écarte. Ramirez. Oh là là, c'est long. On va voir l'international belge, pourquoi pas Lukaku. Attaquant lui aussi, hein, puissant, encore jeune. Strootman. Balzaretti. On l'a dit, hein, beaucoup de transferts en attente encore une fois. Le mois d'août n'est pas terminé. On va pouvoir bouger encore. Tout est suspendu au portefeuille des gros clubs. Notamment en ce qui concerne Bale, de ce qui concerne Rooney. Il y a De Rossi, pourquoi pas aussi. Hein, à la Roma, ça peut être un transfert important, même si De Rossi n'est plus le jeune joueur qu'il était prometteur. C'est-à-dire que maintenant, c'est un joueur qui commence à avoir un petit peu d'âge, qui ne vaudra peut-être pas aussi cher qu'il y a quelques années. Cahill, tranquillement, Terry, pardon, dans la surface.
Dembaba pris de la tête par Benatia. Le second ballon est pour Giannobbi Mikel. Lampard, et on se projette un petit peu plus vers l'avant peut-être avec Lampard. Lampard qui va décaler. Oscar. Le centre, premier poteau dégagé par Leandro Castan. Le Brésilien. La montée d'Azpilicueta. Le dégagement de Balzaretti. Osvaldo en pivot. Pris par Cahill. Azpilicueta. Le centre au second poteau. Maicon qui va sortir ce ballon en corner. Sous la toute petite pression de Schürrle. Le corner à suivre pour la Roma. Pour Chelsea, pardon, pour les Londoniens. 8 minutes dans cette seconde période. L'ancien joueur de Leverkusen qui va s'exécuter. Van Gickel, on l'a vu derrière lui, prêt à rentrer aussi. Voilà, c'est au second poteau, ça passe devant Morgan de Sanctis qui va pouvoir dégager son camp. Toujours pas de grand choix en attaque du côté de Chelsea. Toujours pas de bon choix surtout. Et surtout pas l'envie de faire le décalage à plusieurs. On revoit ce corner flottant qui flirte avec l'angle du but italien. Maicon. Un contrôle un peu manqué d'Eric Lamela, le buteur. On rappelle, hein, belle bévue de Schwarzer. Une remise également de Ryan Bertrand qui n'était pas non plus extraordinaire. Maicon, le décalage avec Florenzi. C'est dégagé. Attention à Bradley, la frappe demi-volée. Une frappe qui partait pas trop mal, mais vraiment extérieur du pied. Ce qui fait qu'elle a vite fui le cadre de Blackman. On l'a dit, jeune gardien des U21 de Chelsea. Dans la hiérarchie, hein, on ne sait pas s'il va pouvoir passer devant Schwarzer, Ilario, pour être derrière Petrosic. Mais en tout cas, Jamal Blackman va pouvoir faire une mi-temps dans ce trip US de Chelsea. Il n'y a pas de hors-jeu pour Ramirez. Ça défend très dur, hein, du côté de Chelsea, de la Roma, pardon, sur Chelsea. Regardez, il faut que Lampard s'emploie. Voilà, deux frappes de Lampard qui réveille un petit peu cette équipe de Chelsea. Pas forcément content de lui. Et Franck Lampard, 35 ans. John Terry, 32 ans. Ils sont toujours là. Et de ce qu'on voit, hein, Lampard est vraiment en forme encore. Attention à ce ballon qui traîne. Ah oui, Ryan Bertrand et ce ballon contré par Lamela. Illicitement, on va le voir. Lamela qui met les mains. Ça aurait pu faire l'affaire pour Dembaba. Allez, peut-être le bon coup franc. Sur le pied droit au second poteau, il y a du monde. Et la parade de Sanctis sur sa ligne. Regardez, comme s'il avait réalisé une parade en finale de Ligue des Champions de Sanctis. Il était ravi. Quelle parade sur cette tête de John Terry. Il est très très bien tiré ce coup franc de Schürrle. Dembaba arrive aussi très très vite derrière. Et quelle belle tête de John Terry et quelle parade sur sa ligne de 2-5-10. Le jeu se durcit et des changements à venir avec Van Gickel, avec Ivanovic et avec le 17. Et j'avais raison, même si on ne l'avait pas mis sur la toute petite feuille de match qu'on avait. Mais Eden Hazard était bien sur le banc.
de Chelsea. Il ne nous l'avait pas annoncé. Attention à Schürrle, un peu d'espace dans la surface. Il a trop poussé son ballon, l'Allemand. Et ce ballon contré ensuite par Maicon. Corner à suivre pour Chelsea. Ça se rapproche tout de même. On n'a pas vu non plus Mata hein, du côté de Chelsea. Absent. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va partir de Chelsea? Van Gickel, Hazard et Ivanovic vont rentrer. A priori, Schürrle peut-être. Ivanovic pour Azpilicueta et Ryan Bertrand pourrait sortir. Mais alors, au milieu, on ne comprend pas trop. Schürrle, c'est sûr. Hein. Schürrle fait partie des seuls qui ont joué la première période. Et Aubameyang, bien sûr. Aubameyang. Voilà, on a rajouté 10 minutes à Aubameyang. Et à Schürrle. Et à Azpilicueta. Voilà, on aura changé tout le monde hein, du côté de Mourinho, sauf John Terry. Allez, au premier poteau, c'est dévié par John Terry et c'est Maicon qui sort ce ballon. Des applaudissements nourris, me semble-t-il, pour Eden Hazard et surtout pour le joueur sortant. C'était Schürrle aussi qui a été bien applaudi. Mais en tout cas, Eden Hazard à l'applaudimètre était pas mal. On l'a vu virevoltant dans les matchs amicaux, notamment contre le Milan. Il a donné un très bon ballon de but à De Bruyne en première période. Il a marqué contre l'Inter, certes sur pénalty. C'est Ramirez qui avait marqué face au Real, égalisant après un but de Marcelo dès la 13e minute. Avant ensuite que Ronaldo ne marque à la 31e et à la 56e pour donner la victoire au Real Madrid. Cette très belle tête là de Florenzi vers De Sanctis. Belle gestion tout de même de la Roma. On approche de l'heure de jeu. Au duel, Terry s'est remis par Strootman, Lampard qui tentait d'alerter Oscar, Bradley dans un petit périmètre, c'est passé Bradley, et Totti qui est devancé, Osvaldo qui n'est pas hors jeu, qui a devancé Ivanovic et qui a pu remettre à Balzaretti. Balzaretti avec l'axe, Strootman. Ivan Ginkel, ça fait également partie des jeunes joueurs de cette équipe de Chelsea. Toujours hein, ce circuit néerlandais, belge pour Chelsea. Là, cette fois-ci, c'est le néerlandais Marco Van Ginkel, 20 ans. Passé lui par le Vitesse Arnhem qui est arrivé cette année. Oh, le bon décalage de Dembaba avec Lampard, la frappe peut-être. Lampard, la quelle frappe de Franck Lampard. À l'heure de jeu, la réponse de Lampard de 16 mètres. Morgan de Sanctis, cette fois, ne pouvait rien. Un but partout. Ah, il avait multiplié les parades jusque-là, Morgan de Sanctis. Mais là, au départ, la belle déviation de Dembaba qui efface les Andro Castan qui étaient montés. Benatia qui ne sort pas sur Lampard de cette frappe croisée. C'est la troisième frappe de Lampard depuis un quart d'heure, depuis son entrée. Et la troisième fait mouche. Score on ne peut plus logique désormais entre Chelsea et la Roma avec cette égalisation de Franck Lampard. On a tout juste dépassé l'heure de jeu. Et le vétéran Lampard. Pas le voir d'un mauvais œil, hein, le terme vétéran, il a 35 ans, il est considéré comme un vétéran. Et en tout cas buteur Franck Lampard. Et Chelsea qui décide d'accélérer maintenant avec Oscar qui remet la frappe de Ramirez, elle était bonne. Mi-hauteur, quelle belle reprise également, demi-volée. Ah, c'est plus la même. Hein. Ginkel qui a déjà une sélection hein, avec. Attention à ce centre de Lampard, ça traîne devant de Morgan de Sanctis. Ivan Ginkel qui est entré dans l'axe. Il y a lui aussi une sélection hein, avec les Pays-Bas. Ça va vite, hein, toute cette jeune génération entre Pays-Bas et Belgique. Avec Eden Hazard battu par Maicon, l'ancien Lillois.
sortie de balle avec Osvaldo. On ne tient plus le ballon devant du côté de la Roma. Ballon dans la boîte avec Dembaba. Et surtout avec Ramirez. Hop, Meikon avec Bradley. Et au passage, il a pris un petit coup, l'ancien monégasque. La remontée de Strootman. Il va peut-être falloir faire des changements du côté de Rudy Garcia, à moins qu'il veuille vraiment donner beaucoup de temps de jeu. Oh, avec cette tête d'Osvaldo, la parade! Elle est belle, cette parade de Jamal Blackman. Il était sur les appuis arrière. Et son 1m96 lui a bien servi sur cette belle tête d'Osvaldo. Et oui, Rudy Garcia, lui, à 2 semaines du premier match, peut peut-être se permettre de faire jouer 90 minutes à ces joueurs-là. Osvaldo, entre les deux centraux, surtout entre Bertrand et Terry. Bertrand qui avait coulissé dans l'axe. Et quelle belle parade de Jamal Blackman. Et bien voilà, un petit peu plus d'action et d'occasion maintenant dans cette rencontre. Totti qui dépose ce ballon dans les 6 mètres. Attention à Balzaretti. Balzaretti, le petit centre. Au second poteau, Bellatia, c'est contré. Meikon en relanceur sur le côté là-bas avec Florenzi. Totti Meikon. Oui, le bon décalage pour Meikon, l'ancien interiste qui est rentré, qui est poursuivi par Eden Hazard et qui va obtenir un très bon corner. Ah, c'est plus le Meikon virevoltant sur son côté droit. Mais en tout cas, il est précieux. Et là, Blackman, lui, il l'était également sur cette tête d'Osvaldo. Et le corner a été dégagé. On reste sur Jamal Blackman et Florenzi, qui est un petit peu plus actif à la récupération. Meikon dans un mouchoir de poche qui est contré par son partenaire. Et Totti qui se bat pour essayer de sauver cette balle. Et touche longue. Touche longue avec Oscar. Oscar face à Balzaretti. Belle intervention. En tout cas, le défenseur italien qui ne se jette pas. Oui, Osvaldo qui revient défendre sur le corner. C'est lui qui est au premier poteau. C'est parti. Au premier poteau, c'est dégagé justement par Osvaldo. Très bien en place. Lampard avec la pression de Totti. Les deux anciens face à face. Totti, lui, c'est bientôt 37 ans. Hop, 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 hop. Pas de faute, sifflé. Et Eric Lamela qui peut ressortir. Et là, par contre, il y aura une faute d'Oscar. On est un peu fou furieux du côté des supporters de Chelsea qui sont venus au RFK Stadium. Faute sur Eden Hazard. Ou pas, on va se faire un avis au ralenti. Non, on ne le verra pas, cette action litigieuse. Ryan Bertrand. Et Ryan Bertrand lui non plus, on n'est pas sorti. Ils sont deux, hein. J'ai dit tout à l'heure John Terry, mais il y a aussi Ryan Bertrand. Bon ballon pour Oscar. Oscar qui lance Dembaba. Il n'y a pas de hors-jeu. Dembaba en profondeur face à Balzaretti. Le dribble était compliqué. Intervention de l'international italien. Et par contre, qui est enfermé là. Van Ginkel qui fait faute. On l'a dit, hein, beaucoup de joueurs prêtés, beaucoup de jeunes joueurs. Une équipe U20, U21 qui tourne bien à Chelsea. On prépare bien l'avenir, hein. Maintenant on décide de moins investir sur le marché des transferts. Et ça paye, hein, ces dernières saisons. Et également le petit frère d'Alain Traoré, hein, qui est le Burkinabé, qui est aussi dans le squad de Chelsea. Bertrand Traoré, si je ne dis pas de bêtises, tout juste 17 ans. Passé lui aussi par la JOCR. Eric Lamela qui tente de lancer Osvaldo entre Ryan Bertrand et Cahill. Et cette fois-ci, que dit l'arbitre? Non, il ne va pas pouvoir siffler de pénalty non plus. Et Cahill et Osvaldo. Osvaldo, il a un petit caractère quand même, hein.
corner joué court avec Florenzi. Totti, il n'est pas hors jeu. Florenzi, deuxième poteau. Et pour le grand Jamal Blackman. Ça fait 2 ans normalement que Bertrand Traoré est à Chelsea. Ils l'ont pris très jeune. Il a marqué un J. Bertrand Traoré toujours dans l'effectif de Chelsea puisqu'il a marqué dans la tournée asiatique contre les All-Stars indonésiens. Un très beau but. D'ailleurs, c'est vrai que s'il a, il a le même talent de frappe que son frère, ça peut promettre du côté de Chelsea. Ryan Bertrand, très bon contrôle devant sa surface et relance impeccable. Il y a quand même un petit peu plus d'écart maintenant entre les milieux et les attaquants de cette équipe de la Roma. Avec un ballon qui va être sorti, une faute peut-être sur Strootman. On suit quand même du regard Rudy Garcia. Ouais, les joueurs ont envie que ce match se déroule un petit peu plus rapidement. On va revoir Van Ginkel. Ouh, la belle semelle de Van Ginkel, elle n'est pas jolie jolie. Hein. Sur Strootman et deux Néerlandais, l'un face à l'autre. Allez, il va pouvoir souffler. Strootman. Et voilà, des changements avec Borriello notamment qui rentre en attaque. Et également la rentrée de Marquinhos à la place de Bradley. Voilà les changements de Rudy Garcia. Chelsea qui a le ballon et c'est vrai que cette équipe de Chelsea est un petit peu mieux en jambes sur cette match avec Eden Hazard. Eden Hazard qui va prendre un petit peu de vitesse, qui est suivi par Eric Lamela mais qui a réussi à décaler Ivanovic. Ramirez. Le centre contré. Et un nouveau corner. Attention, Morgan de Sanctis. Ah, c'est tiré très très loin. Tôt pour Lampard. Peut-être une bonne tactique. Hein. Si, Van Ginkel. On a encore Ashley Cole hein, sur le banc. Hein, de toute façon, pour Ryan Bertrand. Totti. Oh, elle est belle. Oh, elle était très très bonne à jouer. Quelle belle sortie de Ramirez qui va toujours très vite. Dembaba. Eden Hazard qui décale, Van Ginkel. Ouais, la frappe qui s'envole. C'est aussi une jeune équipe à façonner pour José Mourinho. De Sanctis qui relance tranquillement. Il reste une vingtaine de minutes. Chelsea a appuyé sur l'accélérateur pendant une dizaine de minutes. Est revenu à hauteur grâce au but de Frank Lampard. Une très très belle frappe de Lampard. Et maintenant ça va peut-être basculer dans cette rencontre. Dembaba au contact avec Bradley. Récupération d'Eric Lamela tout de même. Et on recherche Borriello en pointe. Osvaldo s'est décalé sur le côté. Faute de Balzaretti sur Van Ginkel.
Allez, Eden Hazard. Oh, il essaye de prendre de la vitesse, il est contré là avec cette petite faute de Marquinhos qui n'est pas sifflé. Avec ce ballon qui traîne, Dembaba devant De Sanctis. Allez, le dégagement à venir de De Sanctis. On voit ce petit piqué. Et ensuite Benatia qui se retourne. Et l'activité d'Oscar. Oscar, ballon rendu avec Borriello. Lui aussi l'international italien. Totti. Ouais, Totti par-dessus. Il n'y a pas de hors-jeu pour Marquinhos. Ce centre maintenant renvoyé par Ryan Bertrand. En deux temps, Dembaba face à Benatia et face à Leandro Castan. Et Ramirez qui met la pression. Totti avec Lamela. Eden Hazard sur son côté gauche. Eden Hazard n'est pas choisi hein, comme numéro 10 dans cette équipe de Chelsea. Lui qui a dit qu'il fallait qu'il inscrive un petit peu plus de buts cette saison. Qu'il soit plus décisif dans cette équipe. Ramirez. Vitesse peut-être, il marche sur. Trautmann avec un petit peu de champ, mais devant, il n'y a plus personne. Ah, un gros temps mort hein, maintenant dans cette partie. On l'a dit, à chaque fois que les équipes sont un petit peu plus fatiguées par la préparation, eh bien, le rythme redescend. Nettement, il reste un quart d'heure. Il y a encore du monde sur le banc de la Roma. Rudy Garcia lui cherche vraiment son équipe. Donc effectivement, on n'a pas envie de déstabiliser cette équipe. Chelsea cherchait également un attaquant. Bradley. Parce qu'effectivement avec oh, attention à Lamela face à Ryan Bertrand. Et Jamal Blackman lui va prendre la balle. Oui, est-ce que Chelsea cherche un attaquant? Parce que c'est vrai que Samuel Eto'o va bientôt être sur le marché, moins cher que prévu. Parce que Lanzima Kashkala est en train de libérer un petit peu tout le monde. Ramirez en vitesse, il est pris par Bradley, il n'y a pas de faute. Ouais, le décalage, il est bon pour Borriello. Borriello avec Totti, pas forcément très bien joué de la part de Borriello. Il aurait peut-être dû essayer de frapper croisé. Par-dessus. Ça ne passera pas, Ryan Bertrand. Effectivement, Eden Hazard qui n'a mis que 13 buts la saison passée. Bradley. Le ballon vers De Sanctis. C'est vrai que cette équipe de la Roma est en train de gérer la fin de match maintenant.
Benatia, belle intervention. Strootman, Benatia avec Bradley, ça joue petit périmètre. Encore une fois, mais on a réussi à trouver Totti. Totti qui décale Borriello, la frappe pied gauche de Borriello. Le buteur par excellence, Borriello, mais là, il est loin d'avoir la mire. L'ancien attaquant, notamment de la Genoa. Sa frappe pied gauche qui s'envole. Ce joueur qui a beaucoup vadrouillé. Yedvaj qui rentre. Yedvaj, le Croate, 17 ans seulement. Gros pari, capable de jouer au milieu et derrière. Il remplace Meikon. Ah, il peut aussi jouer 6, il est grand, il est costaud. L'ancien joueur du Dynamo Zagreb qui vient d'arriver. On revoit un Borriello qui s'arrête bien pour ne pas être hors jeu. Peut-être le meilleur choix de Totti. Il y avait peut-être plus de champ côté droit pour Meikon. Et Lukaku en attaque. On veut peut-être la gagne. Avec la sortie de John Terry. Voilà, un tonnerre d'applaudissements pour le capitaine. Alors non, Lukaku, ce ne sera pas du poste pour poste. Regardez le gabarit de Lukaku. 21 ans, c'est quand même une armoire. À peine, ouais, à peine 21 ans. C'est Ivanovic qui va passer dans l'axe. Ramirez peut-être sur le poste d'arrière droit. Avec Ryan Bertrand, Eden Hazard. Je me souviens que Ryan Bertrand, en finale de Ligue des Champions, jouait même un cran plus haut. Sauveillard, oh, Eden Hazard qui fait la différence, qui doit servir Lampard, c'est magnifique. Ah, je ne sais pas ce que peut lui reprocher Lampard, parce que c'est fait dans le bon timing. Et mais je pense plutôt que Mourinho en voulait un joueur au second poteau qui aurait dû venir au moins essayer de récupérer cette balle. Après le bon travail d'Eden Hazard. Regardez, il fait des gestes là-bas. Il veut quelqu'un à droite. À moins qu'il ne parle à Lukaku. Pour qu'il aille se positionner à droite. Ramirez. Dembaba. Ryan Bertrand. Lukaku. Avec Van Ginkel, Lampard, c'est qu'il aimerait, hein. Il aimerait se mettre en position de frappe là. La frappe, elle est pour Eden Hazard. Ah, c'est Oscar, pardon. Lukaku a fait une belle saison avec West Bromwich Albion, avec 17 buts à l'arrivée la saison passée. Formé à Anderlecht. Ivanovic. Oscar. Oh, c'est bien joué. Et il y aura une faute sifflée contre Strootman. Dernière ligne droite de cette rencontre. Lampard. Eden Hazard, oh, dans le dos pour Dembaba. Retenu peut-être par Leandro Castan. Et vous voyez que les Italiens jouent ce match comme si c'était une finale, hein. Ivanovic qui va laisser sortir ce ballon devant Yedvaj. Yedvaj. Ouais, peut-être qu'on en rajoute du côté de Dembaba. Ouais.
Ouais, attention à ce ballon récupéré par Yedvage avec Bradley. On se retourne. Marquinhos, l'ancien de Fluminense. Et Jamal Blackman qui récupère cette balle. Toujours les supporters de Chelsea qui font du bruit. Lampard. Ivanovic. Et on demande d'écarter. Vous voyez les gestes de Mourinho. Il veut que ça bouge sur le front de l'attaque. Il vient de remettre derrière Ivanovic avec Oscar qui va avoir un petit peu de champ pour avancer. Peut-être Ryan Bertrand a trouvé là-bas. Il est revenu derrière. Van Ginkel qui est le seul maintenant à la récupération. Le reste c'est très offensif. Attention à ce ballon perdu par Oscar avec Lamela. Lamela Totti. Cette équipe de la Roma en contre peut vraiment faire des dégâts. Et beau contrôle de la poitrine de Cahill. L'appel de balle de Borriello n'était pas mauvais. Je ne sais pas si l'attaquant italien aurait pu récupérer ce ballon. Borriello formé au Milan qui effectivement a pas mal bourlingué. Une dizaine de changements de club à 31 ans. Attention à cette faute de Ryan Bertrand sur Benatia, ça s'échauffe un petit peu hein. Mourinho est sur le terrain. Regardez Dembaba, Benatia et Ryan Bertrand. Ouais, c'est pas une grosse faute. Vous voyez l'arbitre assistant qui vient tout de suite voir Mourinho. En tout cas Benatia il a vraiment prouvé que c'était un joueur solide dans cette défense de la Roma. Bon dégagement de Sanctis avec Cahill de la tête par-dessus Totti qui est sanctionné. Non, il faut la jouer un petit peu plus loin. Trévise, Trieste, Empoli, Regina, Sampdoria, Genoa, AC Milan, AS Roma, Juventus, Genoa, Borriello a beaucoup bougé. Meilleure saison 2007-2008 avec 19 buts à la Genoa et 17 buts à Milan aussi, mais en 3 saisons entre 2008 et 2011. Peut-être encore un ou deux changements. Talo qui rentre. Talo Gaggi, l'ancien joueur du Chievo, qui remplace Totti. Entrée donc d'un autre Ivoirien. Pour l'instant, ce n'est pas encore la rentrée de Gervinho. Voici Talo Gaggi. Tout juste 20 ans. Été prêté à Paris en fin de saison dernière. Deux petits buts en 5 rencontres. Il est arrivé déjà il y a 3 ans hein, du Chievo vers la Roma. Il était tout jeune. Il a fini sa formation au Chievo. Ivanovic avec Cahill. Et Mourinho se fait entendre dans ce stade qui sonne un tout petit peu creux. Oui, Lukaku pour Eden Hazard, les deux Belges. Oh, Lukaku, regardez ce qu'il inflige à Benatia pour la relance. Obligé de lâcher le ballon, Ivanovic. Cahill. Un changement avec Lampard. Ramirez qui ne prendra pas ce ballon. Au-dessus de Talo Gaggi. Passé par le centre de formation de Cyril Domoro, l'ancien Marseillais, pour Talo Gaggi.
Attention à Lukaku avec Lampard. Lampard pour Dembaba, pied gauche. Et encore un très très bon tacle de Benatia. Alors, est-ce que c'est une crampe? Mais je pense qu'en taclant, le genou a pu tourner aussi pour Benatia. Il se tient plutôt la cuisse tout de même. Hein. Oscar, mais comme il s'était plein du genou en première période, on surveille Ryan Bertrand. La passe est ratée avec Edvac qui est devant lui, le Croate. Eden Hazard. Eden Hazard, Van Ginkel. Van Ginkel dans la boîte. Oscar, Strootman. Oscar. Lampard, Eden Hazard. Oh, c'est dur. C'est dur, mais il va se retourner l'ancien Lillois qui va devant Morgan Desanti. Qui s'écale des forces de Balzaretti. Dembaba, Lukaku, il est au fond. But de Lukaku. Chelsea qui prend l'avantage à 2 minutes de la fin de cette rencontre. But certainement de Lukaku, même s'il a été contré. Mais cette frappe prenait la direction du but de toute façon. Quel travail d'Eden Hazard qui va mettre le feu dans la défense. Balzaretti est venu intervenir devant Morgan de Santis, ensuite Lukaku frappe pied gauche. Mais c'est lui, Eden Hazard qui fait la différence au départ. On note la belle remise de Dembaba également. Et la frappe pied gauche de Romelu Lukaku. Et voilà Chelsea qui va certainement s'imposer maintenant dans ce dernier match amical de cette tournée aux États-Unis pour Chelsea et pour l'AS Roma. 89e minute, donc Lukaku. Une demi-heure après le but de Lampard et Chelsea qui prend l'avantage. Regardez encore de la profondeur peut-être avec Dembaba. Cette fois-ci, il est en jeu. Est-ce qu'ils vont chercher un attaquant Chelsea, c'est pas sûr. Parce qu'il y a Lukaku, il y a Dembaba, il y a Fernando Torres. Et ensuite, il y a des joueurs comme Oscar, comme Ramirez, comme Schürrle, comme De Bruyne. Alors, on a, même si la seconde période de cette équipe de Chelsea est plus intéressante avec plus d'occasions, on a aimé quand même De Bruyne et Schürrle en première période. Hein. Peut-être plus qu'Oscar qui a eu du mal. Cahill, attention à cette belle montée là-bas. Et ce dégagement manqué par Ramirez, monté de Marquinhos. Oh, une petite minute seulement de plus alors qu'on a fait énormément de changements. Bon, c'est pas ça qui va changer la face du monde. On y est dans cette dernière minute avec le ballon pour les joueurs de l'AS Roma. Marquinhos battu, il n'y a pas de faute. Lukaku. Oscar, Lukaku. Et il est parti Eden Hazard. Regardez, ça c'est... Les deux Belges qui jouent l'un avec l'autre. Eden Hazard face à Benatia. Il va conserver le ballon. Le RFK Stadium de Washington. Et dans quelques instants, le coup de sifflet final entre Chelsea et la Roma. Un match pour le moment remporté par cette équipe de Chelsea. Voilà qui est terminé dans cette rencontre. Le coup de sifflet final et ce but de Lukaku à la 89e minute qui libère Chelsea de José Mourinho avec un but donc de Frank Lampard et de Lukaku en seconde période. Chelsea s'impose 2-1 face à la Roma. Et la Roma de Santis avait ouvert le score avec Eric Lamela en première période. Mais c'est vrai que le banc de Chelsea a fait la différence. Rudy Garcia, lui, a voulu faire jouer un maximum de temps de jeu à ses joueurs, à ses titulaires potentiels pour la saison en l'occurrence. Et Chelsea de son côté avait pratiquement deux équipes pour disputer cette rencontre ce soir. Et l'AS Roma de Francesco Totti est donc battu. Lamela avait marqué sur une erreur défensive, notamment de Schwarzer dans les buts. Et surtout Romelu Lukaku et Frank Lampard ont donné la victoire aux Londoniens. Voilà, on va se quitter. On était au RFK Stadium de Washington. On se donne rendez-vous très vite sur l'antenne, sur les antennes de Beansport pour du foot avec notamment le feuilleton Ligue 1 qui continue ce dimanche et la reprise des autres championnats avant la fin du mois d'août. On se dit à très vite sur les antennes de Beansport pour du foot. Salut à tous. Ce week-end, bonjour à toutes et à tous. Retrouvez Dimanche Ligue 1, l'émission qui vous raconte tout de chaque journée. Résumé, débrief, réaction, décrassage. Vous saurez tout sur votre club préféré.
Alors à dimanche, 10h, autour de Florian Janton et de tous nos envoyés spéciaux. Le football, c'est comme le temps, ça change sans arrêt. Prenez par exemple le club allemand du Hamburger Sportverein. Malgré son passé prestigieux, le HSV n'a remporté aucun trophée récemment. Son dernier succès est une victoire en Coupe d'Allemagne il y a 20 ans.